Bonsoir, bonjour, c'est Tech DZ. Donc aujourd'hui, on va mettre le chargeur Cabas. Chargeur Cabas. Changer. C'est des chargeurs Cabas. Hein, pour tester le mécanisme, on va faire. Voilà. Voilà, on est monté. Voilà. Bon, ça c'est coincé. Il faut qu'on. On va recommencer en arrière. Voilà. C'est normal. J'ai oublié de vous dire, j'ai pas installé les voilà. Donc le mécanisme il marche. Voilà, on change de position, plus moins. Et on fait monter et descendre le lecteur. La lentille se met en mode lecture. Ce moteur-là, c'est pour faire monter et descendre le lecteur. Voilà. Donc, on va changer de position. Là, il n'arrive pas parce qu'il est bloqué. J'ai pas de bon matériel, malheureusement. Voilà. Alors, en mode retour. Voilà. Voilà. On retourne. Voilà, position initiale. Alors, position. Voilà. Donc les positions montée descente, retour, chariot monté, moteur pour monter descendre le chariot, celui-là pour lecture la lentille et choisir les étapes de lecture. Donc il faut que je remets les Et à ressorts 20 heures, je te mène à l'hôpital psychiatrique. là et je fais les tas les ressorts qui maintiennent le lecteur. Là, il est en position initiale. Voilà. Donc, si vous avez des questions, donc on a une alimentation stabilisée pour réparer les chariots et là-bas. Voilà. Si vous avez d'autres matériel à réparer au niveau autoradio, navigation, donc on est capable de le faire. Merci. Au revoir. Yes, we can.